Kuzma. Membre de notre équipe, je suppose. Ah, il s'est fait emmerder, on dirait. Tu m'as ridiculisé hier, n'est-ce pas? Tu insinues que notre niveau de puissance est inférieur à celui du vieux Bardock. Je ne fais que t'exposer un fait. Tu veux que je te remonte comment marchent les détecteurs? Ferme ton clapet, t'as vraiment pris la grosse tête. Hein. Nos points sur ton visage vont t'exposer ce que sont nos niveaux de puissance. Bon, ça m'a l'air intéressant cette idée, hein. Laissez-moi participer à cette petite fête aussi, hein. Pourquoi il faut qu'il débarque celui-là? 5 contre 1 n'est pas vraiment un combat équitable, tu m'étonnes, bande de minables, et pourquoi vous en prendre à Thomas, hein, vous plaît pas? Ils savent ce qu'ils peuvent pas te battre, alors ils préfèrent venir me chercher des noces pour passer leur frustration. Et vous osez encore vous faire appeler les scènes, hein. Eh ben, on t'avait rien demandé, mais tu sembles aimer la ramener, hein, lui. Qu'est-ce que ça change que Bardock soit là? Je vous prends tous en même temps. Et tu m'as enlevé les mots de la bouche. Thomas et Bardock, ça c'est sympa ça. D'accord, occupons-nous de cette histoire. Hein. Malgré tout, le combat est presque déjà plié avant de commencer. Pas très divertissant. Ce qu'il a dit, c'est du bluff. J'avais même pas idée de toutes les épreuves qu'on a traversées. On gagne en puissance à chaque fois qu'on survit à ces épreuves. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Vous n'avez pas le niveau entre nous. Vous aimez vraiment l'ouvrir pour pas grand-chose. Nous, les Saiyans, on préfère discuter avec les points. Nous saurons très vite qui sont les plus forts après. Quelques beignes. La clémence n'est pas sa place au combat. Piétinons-les jusqu'à ce qu'ils ne puissent même plus se relever. Tu l'auras vraiment cherché. Oh. Bardock, nous devons partir pour la planète Kanasa. Après ça, le temps presse, alors fais au plus vite. Ouais. Je peux avoir du soutien, une fois on est deux. Déjà quand ils sont tous les quatre, voilà, mieux. J'ai pas enchaîné. Dommage. Cavaliere!
Sympa. Bon sang, mais d'où il sort ces types? Peut-être que maintenant vous comprenez la différence entre, entre votre niveau et nous. Mince alors, si seulement Bardette était une forme d'idiot, Thomas et moi sommes devenus plus forts en faisant équipe, beaucoup trop forts pour vous. Même si je reste en dehors de ça, vous n'avez aucune chance contre Thomas. Si vous avez enfin pigé, tirez-vous et ne montrez plus jamais votre vilain truc. Ici, espèce de... Je m'en souviendrai. Tu me le rembourseras au centre. Ouais, ils ont moins, ils ont rien compris. Hein. Ouais, de pleurnicher misère. Quelle bande de. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait que tu te crois mieux que nous. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, tu gagnes en puissance à une vitesse démentielle, mais je suis de la race SN, moi aussi, tu sais. Je vais pas rester à la traîne. Dans ce cas, 26 jours, il faudra qu'on clarifie qui est le plus fort. Ouais, tu verras. Tu auras ton argent. De voir ça. Quoi qu'il en soit, ces 5 minables de tout à l'heure qui ont attaqué en bande pour équilibrer leurs chances, ils font honte à notre race. Ouais. Tout ce que je dis, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un de plus rigide et de droit que toi. Moi, intègre, droit. Généralement, quand quelqu'un doit affronter un adversaire sans aucune chance de le vaincre, la réaction logique est de courir et de chercher à lui mettre du sable dans les yeux. Toi, t'es différent. Tu te bats la loyale et t'abandonnes pas tant que t'as pas gagné. Ça rappelle un peu son rejeton, hein. Bien sûr, sinon ça servira à quoi de soi. Y'a pas beaucoup de gens qui agissent comme ça, c'est pour ça que je disais que t'étais intégré droit. Bon allez, arrête un peu. T'as te foulé la langue. C'est vrai, quand il s'agit de se battre, de tes amis, t'es un mec décent. Rien que tout à l'heure, quand des types qui devaient... Ils devraient pas s'occuper de moi, voulaient fourrer leur nez dans mes affaires. Tu penses naturellement à tes camarades et mener la charge face au danger. Eh bien, c'est sûrement parce que t'aimes revenir encore plus fort après avoir livré un gros combat. Non, non. Bon, allez, je me dis juste que faire équipe avec toi garderait les choses intéressantes. Mission terminée. Ils ont toujours la narrative un peu longue. Hein. Pensez à jugement un peu. Mission réussie. Et surtout, on a récupéré un poteau et encore pris un niveau, ça c'est bien. Non, t'es contenté.